Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 164. Aujourd'hui, je vais te donner 4 exercices de mobilité pour justement éviter de te blesser quand tu fais de la course à pied. Donc si tu es coureur, eh bien reste connecté. Je vais t'expliquer dans un instant comment tu vas pouvoir faire justement pour réaliser ces 4 exercices fantastiques. Juste avant ça, eh bien si ça t'intéresse, si tu veux être en meilleure santé, si tu veux t'intéresser à la course à pied, si tu veux améliorer tes performances et tes chronos, eh bien bienvenue à toi. Je suis Andy, je suis coach et aujourd'hui sur cette chaîne-là, je te partage un petit peu mes dernières nouveautés, mes connaissances, mes différentes formations et surtout les échecs et les erreurs que j'ai pu faire sur moi et sur mes élèves. Donc tu as juste le petit lien en bas à droite de cette vidéo, il suffit de cliquer et chaque jour, en tout cas c'est mon objectif, chaque jour je t'apporte un petit conseil pour justement être en meilleure santé. Alors pourquoi il est intéressant au niveau de la course à pied de travailler sur la mobilité? Donc si la mobilité t'intéresse, si prévenir les blessures, si tu es sujet justement à des petits bobos, eh bien tu peux regarder sur cette chaîne-là dans la playlist prévention des blessures, je crois que je l'ai appelé comme ça, où tu as plein de petits exercices à faire régulièrement. Et ce qui est assez fantastique à travers ces exercices, c'est que tu vas justement améliorer tes positions, ta posture, et forcément ça va être également intéressant dans ta pratique de la course à pied. Alors la mobilité, pourquoi travailler la mobilité, notamment par rapport à la qualité de pied au sol, d'accord? Tu sais que quand tu cours, la course à pied c'est intéressant, il y a énormément de bénéfices, mais c'est quand même traumatisant. Tout dépend de l'environnement, mais c'est vrai que si tu fais sur l'asphalte ou sur des terrains durs, ça crée énormément de petits micro-traumatismes. Et à force de répéter ces micro-traumatismes, eh bien on peut engendrer des blessures et des petits bobos. Donc ça, c'est important de travailler la mobilité, que ce soit la cheville, la hanche, le dos. Les bienfaits aussi, ça améliore la foulée, d'accord, une meilleure aisance au niveau de ta foulée, une meilleure oxygénation. Le fait d'ouvrir la cage thoracique, ça va permettre de mieux respirer, d'attraper un peu plus d'oxygène et justement d'éviter d'avoir la tête et les épaules qui rentrent vers l'avant. Bref, l'idée, tu l'auras compris, de faire ce petit travail-là, ça va te permettre justement d'éliminer, en tout cas d'éviter et de supprimer les bobos. Et donc, je pense que ça peut être intéressant pour toi. Alors, les 4 exercices du jour, je vais te les montrer, tu vas pouvoir les faire avec moi. On va commencer par celui-ci. Tu vas chercher à te mettre en appui sur les fesses, d'accord? Tu te mets en appui sur tes talons, les genoux sont vers le haut. Là, je vais te demander de chercher justement à te redresser, tu peux placer les mains derrière. Tu vas chercher à grandir, les épaules sont légèrement vers l'arrière. Ce que je voudrais de ta part, c'est que tu gardes un petit engagement au niveau des abdos, d'accord? Un petit travail au niveau de la posture. Et là, ton genou gauche, tu vas l'amener vers l'intérieur et ton genou droit, on va essayer de le placer à l'extérieur. Alors, il se peut que tu n'arrives pas à descendre complètement, d'accord? Tu peux être ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, au niveau de la mobilité de la hanche, on a un petit peu de travail à faire. Donc, moi, je vais t'encourager vraiment à réaliser cet exercice le plus souvent possible. Donc, si tu arrives, on pose les genoux, d'accord? Tu vas chercher même chose à te grandir. Évite de t'affaisser et on va pivoter. Pivoter, pivoter et on va changer. Donc même chose, si on a un petit peu de difficulté, et ça se peut si tu ne l'as jamais fait, eh bien tu peux t'aider un tout petit peu avec les mains au début, hop, pour accompagner le mouvement et tu vas chercher à te placer. Donc là, tranquille, d'accord, tu cherches à te redresser, hop, et on pivote. Donc là, il y a un relâchement au niveau de la hanche. Il se peut que tu aies des petites douleurs également, d'accord? Alors là, c'est un petit peu compliqué, je ne suis pas avec toi, donc je ne peux pas adapter le mouvement. Si tu vois que ça te fait trop mal, pour l'instant, tu évites cet exercice-là, d'accord? Si tu as une petite douleur, ça veut dire qu'il y a peut-être des petites tensions au niveau des muscles du bassin qui fait que cet exercice pose un petit peu de problème. Donc là, ensuite, voilà, tu peux t'amuser. Si tu es un peu plus à l'aise, tu peux t'amuser justement à relâcher les hanches. Donc moi, je te conseille par rapport à ça, de faire une petite minute, d'accord, de relâchement à droite à gauche. Les 4 exercices que je vais te montrer, c'est des exercices que tu peux faire justement avant d'aller courir ou après éventuellement d'aller courir, ou également tu peux vraiment utiliser ces exercices le soir quand tu es un petit peu plus calme, quand les enfants sont couchés, tu peux prendre un petit tapis et faire quelques petits exercices, ça ne va pas prendre énormément de temps. Donc ça, rotation interne, rotation externe au niveau des hanches. Exercice numéro 2, on va se mettre en position 90 degrés, d'accord, sur la jambe de devant, et on va essayer d'avoir à peu près la même position sur la jambe de l'arrière, ici. Donc là, dans un premier temps, je vais chercher à te demander à, soit tu places les mains de chaque côté, à l'extérieur du genou, à l'extérieur du pied, et tu vas chercher à te redresser, à te grandir. Donc même chose, on serre un petit peu les abdos, tu vas sentir un petit peu que ça tire peut-être au niveau du bas du dos, surtout si tu n'es pas souple au niveau de la colonne vertébrale et au niveau de la
ça risque de tirer dans le bas du dos. Donc, t'inquiète pas, tu y vas tranquille, d'accord? Si tu te sens un petit peu mieux, hop, on va chercher à avancer les épaules vers l'avant. On va chercher à descendre la poitrine vers l'avant. Et en expirant profondément, là, tu peux prendre une petite pause. Si tu vois que ça bloque un petit peu, tu inspires, expires profondément en prenant ton temps. Et au bout de la troisième expiration, tu peux aller chercher un petit peu plus bas, etc., etc. Donc, même chose à la moindre douleur, d'accord? Eh bien, tu arrêtes, tu reviens un petit peu sur tes pas, tu restes dans la position où tu n'as pas de douleur. Donc là, tu vas voir, même chose, étirement au niveau de la hanche, ça devrait te faire du bien ici. Et bien sûr, tu fais la même chose de l'autre côté, d'accord? Et après, ce que tu peux faire justement, tu refais un petit test une fois que tu t'es étiré sur l'exercice précédent. Tu reprends ce petit travail-là pour voir si tu as un petit peu plus d'aisance au niveau de la hanche, d'accord? Donc, ça c'est notre deuxième exercice. Troisième exercice, là l'idée c'est de chercher justement à ouvrir la cage thoracique. Donc, je vais te demander de te mettre en position quadrupédie, ici. Donc les mains, tu les places en dessous de la ligne de l'épaule, le genou en dessous de la hanche, ici. Donc on va redresser la tête, on va chercher à placer la main au niveau de ta nuque et tu vas amener ton coude, d'accord, en direction de ton poignet. Ce que je veux, c'est que le bras qui en appuie au sol reste tendu, d'accord? Donc on va chercher ici. Et même chose, tu vas suivre du regard ton coude et tu vas chercher à monter le plus haut possible. Par contre, ici, regarde, je ne veux pas que tu bouges le bassin. Le bassin reste le face, le bassin ne bouge pas. Donc, ce qui est important, c'est de garder le contrôle au niveau des abdos. Donc, je descends et je vais chercher à me redresser. Je descends et je vais chercher à ouvrir. Donc là, tu peux faire 12 à 15 répétitions d'ouverture, d'accord, d'un côté. Même chose, essaye progressivement d'ouvrir en fixant ton bassin. Et bien sûr, tu fais la même chose de l'autre côté. Tu vas peut-être pouvoir voir certains déséquilibres entre ton côté droit et ton côté gauche. Là, tu vas sentir justement une petite ouverture. Alors, ça ne se fait pas en une fois. Hein. Tu vas voir que le fait de le faire régulièrement, là, tu vas voir, là, je t'ai dit, une petite minute sur chaque exercice, 12 à 15 répétitions. Tu vois, ce n'est pas énorme. Ça va te faire une petite routine de 5 minutes. Et tu vois que si tu le répètes 2 à 3 fois par semaine, je te garantis que dans un mois, tu vas sentir réellement les bénéfices. Le dernier exercice, même chose là, c'est pour utiliser la colonne vertébrale. Je te l'ai déjà montré sur cette chaîne, c'est la position du dos plat, dos rond, position du chat. Donc tu vas reprendre exactement le même placement, le même mouvement. Donc là, tu vas inspirer, tu vas allonger. C'est-à-dire que tu vas rentrer ton nombril, tu vas imaginer un fil d'aplomb au niveau du dos et tu vas chercher à allonger ta nuque. Tu vas sortir la tête des épaules, tu vas chercher à te grandir. Donc là, normalement, au niveau de mon dos, il est plus ou moins au niveau des courbures physiologiques. Il est normalement bien. Tu me diras dans la vidéo si je suis bien placé. Donc dans cette position, une fois que tu as inspiré, tu vas chercher à souffler, à expirer profondément par la bouche. Et tu vas rentrer le menton, tu vas rentrer la tête, tu vas avancer le bassin vers l'avant et tu vas chercher à monter les omoplates le plus haut possible. Donc là, tu me fais un beau dos rond, d'accord? Tu gardes tes bras tendus et tu vas inspirer et tu vas te replacer. Tu souffles. Et tu inspires, tu souffles, et tu inspires, d'accord? Donc là, tu l'as compris, c'est pas un concours de vitesse, tu prends une grande inspiration, et tu cherches à expirer profondément sans aller trop vite, et tu me fais ça un cycle de 12 à 15 répétitions, et tu vas voir que même chose, progressivement, alors il se peut qu'au début, tu sois un peu rouillé au niveau du dos, mais même chose, la progression va faire et l'entraînement vont faire que tu vas te sentir beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, en tout cas, c'était moi les 4 exercices que je recommande à mes coureurs, aux personnes que j'accompagne en coaching. Donc, soit si ça t'intéresse, éventuellement que je t'accompagne, quel que soit ton niveau, eh bien, tu peux regarder dans la description en dessous de la vidéo. Tu as accès à mon formulaire de candidature pour justement faire partie de mes athlètes. Donc si ça t'intéresse, tu regardes en dessous dans la description. Si tu as aimé cette petite vidéo, eh bien tu peux, comme tous les jours, me mettre un petit like, ça te fait super plaisir. Et puis nous, on se retrouve demain pour de nouveaux conseils, des petits challenges, des petits exercices relativement sympas pour te faire progresser. Merci à toi et je te souhaite de passer une excellente journée. Salut !